habitable planets, and everyone is calling it a new frontier. Dr. Miller, now as I understand it, the IMC's refueling facility here at Denver is vital for travel between the core and the frontier. Decades-long tensions exploded into all-out war on the frontier today. The group calling themselves the Militia have conducted numerous raids on IMC garrison. Vice Admiral Graves, you and Captain McCallum have a long history of successful operations against the Militia. What do you think made him turn, Admiral? Why did McCallum betray you? Short on fuel and supplies, the First Militia fleet is unlikely to survive their next encounter with the IMC battle group in pursuit. Salut, c'est Lestangel, donc on se retrouve comme promis pour une deuxième vidéo qui sera en fait la première d'une série de 9 consacrée à la campagne du mode multijoueur de Titanfall. Donc le mode solo n'existant pas, hein, ça sera qu'une campagne multijoueur. Alors dans cette campagne, on va avoir droit à 9 cartes sur les 15 disponibles. Je trouve un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas les 15 qui étaient intégrés dans la campagne, parce que déjà ça aurait rallongé un peu la campagne, puis ça aurait permis pendant la campagne de découvrir toutes les maps. Enfin bon, il n'y en a que 9, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on ait les 15 pour pouvoir jouer en multi. On va commencer cette première campagne donc du côté IMC. La première fois que vous faites la campagne, parce que moi c'est la deuxième fois que je fais la campagne, je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, j'avais eu des problèmes d'enregistrement, donc j'ai été obligé d'abandonner les enregistrements et de refaire par la suite à nouveau la campagne. Donc là on est du côté IMC, donc l'IMC représente le pouvoir en place qui veut éradiquer, on va dire, la milice qui prétend garder son indépendance vis-à-vis de l'IMC et garder les terres qu'ils estiment être les leurs. Donc grosso modo, nous sommes les méchants, eux sont les gentils. Mais rassurez-vous, quel que soit le côté dans lequel vous allez jouer, quand on fera la campagne ministre, on aura l'impression d'être gentil aussi. Et l'IMC, on va nous les présenter aussi comme des gentils. Donc c'est une façon comme une autre, quel que soit le camp que vous représentiez par la suite, d'être motivé pour jouer dans les deux camps. Grosso modo, de toute façon, on s'en fout, l'essentiel c'est qu'on a envie de faire du fry. Voilà, et le jeu est bien pensé pour ça. Pilote de Titan, vous serez affecté au vaisseau déployé sur tous les objectifs potentiels du système Yuma. Des patrouilles régulières seront... Alors là, on a un petit briefing audio, comme ça, histoire de passer le temps. On va en avoir un autre juste avant le démarrage de la carte. Donc je vais me permettre de parler pendant celui-là. Ce qui est un peu dommage, parce que je vais vous parler vite fait du matchmaking pendant le temps qu'on a là, c'est que quand on joue en multijoueur, donc pas en mode campagne, hein, là on a pu choisir notre carte, enfin j'ai commencé par la première, mais on aurait pu choisir la carte qu'on voulait sur les 9. Quand on est en matchmaking, c'est-à-dire qu'on va directement jouer en multijoueur, on choisit en fait son type de jeu, attrition ou domination, peu importe, et on ne peut pas choisir sa carte, on ne peut pas choisir son camp, on ne peut rien choisir du tout. Je parlais du ratio qui était d'ailleurs absent, le ratio personnel, ou alors vraiment très flou dans les statistiques dans la première vidéo que j'avais fait. Il y a une autre chose aussi qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on n'a pas la possibilité non plus d'avoir un tag. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marquer son appartenance à un clan quand on joue en multi. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de jouer en team ou avec des amis, bah, vous n'aurez pas de tag. C'est comme ça, ils n'ont pas prévu. Ça fait un peu tâche sur un FPS multi, mais voilà, c'est comme ça. Donc on démarre, je vous laisse regarder l'intro. Dans l'espace, le carburant est vital, et la milice est presque à sec. Seulement 7 planètes dans le système Yuma peuvent ravitailler une flotte de cette taille. On est sur l'une d'entre elles. On a installé des tourelles comme celle-ci, au cas où la milice déciderait de visiter ce site. Le site Charlie est là, bravo. Bravo, faites-moi un rapport. Ouais, la cible est opérationnelle, chef. Vice-amiral Graves, le sous 3 détecte plusieurs signatures de saut à 3 km d'ici. Rix, je veux l'équipe de Rix sur le pont maintenant. Chef, nos troupes sont rassemblées au point Alpha. Pilote, aujourd'hui vous avez une chance de rétablir la paix à la frontière. Ne la manquez pas. Alors c'est parti, go! Donc alors, vous avez pu voir, j'ai activé une carte qui me permet en fait d'avoir un sens de l'araignée. C'est
C'est en fait une carte qui me donne un petit atout, c'est-à-dire que je vais avoir un détecteur en permanence qui va m'avertir avec un petit signal sonore qu'un ennemi est présent dans les parages. Donc ça peut être intéressant pour démarrer une partie. Alors les cartes, quand vous avez pour la première fois joué à Titanfall, ne seront pas encore accessibles. Je crois qu'elles sont accessibles à partir du niveau 8 ou quelque chose comme ça. Donc patience, vous les aurez. De toute façon, les levels montent très vite. Donc là on est en mode domination. J'étais au départ parti, je sais pas si vous l'avez vu, sur le point A, lui il a mangé. Et finalement je me suis décidé pour le point B parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui partait sur le point A. Donc là on est quand même beaucoup aussi, on va zapper sur le point C. Et alors ce qui est très fun dans ce jeu, ce sont les déplacements qui sont vraiment hyper fluides. Le système de visée qui est vraiment, on reconnaît la patte hein, des gars qui faisaient Call of Duty avant. Même si c'est un peu tellement speed qu'en fait on n'a pas vraiment le temps d'ajuster. Et ce système de visée là, quand je vise avec le petit viseur holo, là il n'y a pas de souci, c'est très précis. En revanche, quand on tire au jugé, c'est beaucoup moins évident. Alors là, l'agent double, c'est une petite carte qui fait qu'en fait les bots et les titans en fait m'ignorent totalement quand je suis en train de me déplacer. Donc en fait, vous verrez, il y a tout un tas d'atouts comme ça qui sont petit à petit distribués en fonction des défis en fait que vous remplissez, parce que selon les défis que vous allez réussir à remplir. Alors après, à vous hein, d'aller dans les menus pour voir les différents défis, et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal qui vous faut remplir pour obtenir les cartes qui vous intéressent le plus. Ça d'ailleurs, ce système de cartes est vraiment très très bien pensé. Et ça met un petit peu d'intérêt autre que la fierté personnelle au niveau des défis, parce que ça vous apporte vraiment un petit plus, parce que si vous avez la bonne carte au bon moment et dans le bon mode, ça peut être décisif pour votre partie. Que vous dire d'autre? Bah là, la map, moi personnellement, bon, vous la connaissez certainement, hein, si vous êtes intéressé à Titanfall ces dernières semaines, c'est une des deux maps qui était disponible sur la bêta. Donc là, j'ai pas vraiment été surpris de jouer avec. Moi, je la trouve vraiment très très bien, parce qu'il y a suffisamment de bâtiments en fait pour pouvoir se mettre à l'abri quand il y a beaucoup de titans. Ouh, putain, toi. Quand il y a beaucoup de titans donc, qui se promènent dans les rues, vaut mieux se mettre à l'abri, hein, parce que en mode invisibilité, ils vous repèrent pas trop si vous avez ce skill là, mais vous n'êtes pas à l'abri des pilotes, et puis un titan par une advertance peut vous marcher dessus aussi, hein, ça fait pas du bien. Alors voilà le mien, on va monter dedans, et alors ça j'adore, la première fois que vous montez dans un titan, c'est vraiment assez exceptionnel, vous avez un espèce de sentiment de pas de jouissance, parce que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on va le dire, hein, c'est quand même assez jouissif, et on a un espèce de sentiment de puissance hallucinant, même si le gameplay change pas énormément finalement que... Alors là il est ciblé et je vais pouvoir lui lancer quelques petits missiles. Alors moi j'aime bien les attaquer à la mêlée comme ça, c'est pas forcément judicieux, c'est pas forcément très finaux. Mais c'est bourrin, j'aime bien, et puis là pour le coup c'est payant. Et c'est pas toujours le cas. Alors toi tu vas c'est pareil, écraser un pilote comme ça, c'est super sympa. Non, le jeu franchement est plein de fun, et c'est vraiment 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 jouissif. Après sur la durée, faut voir, parce que franchement je sais pas si parce que en fait les levels montent très vite, il y a que 50 niveaux. Là je vais pas jouer très longtemps et je suis déjà level 29 si je dis pas de bêtises. Donc après, une fois qu'on a atteint le level 50, est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup de motivation pour jouer? On verra, ça sera à voir. De toute façon, il y a du contenu gratuit théoriquement qui est prévu. Il y a un season pass aussi qui est prévu. Donc après, à voir ce que ça donnera sur le long terme. En tout cas, c'est fun, c'est jouissif, ça se joue bien. Il n'y a pas de problème de réseau. Des fois, ça peut être un peu long d'attendre les parties, mais il n'y a pas particulièrement de problème à ce niveau-là.
les pings sont assez, assez sympathiques. Non, non, globalement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bon, là, vous voyez, un titan, hein, ça pardonne pas. Hein. Donc, on va utiliser la dernière carte. Alors là, celle-là, elle est intéressante en mode domination comme on est là. Parce qu'en fait, ça vous permet de vous déplacer à une vitesse très impressionnante, oui, voilà. Ce qui permet en fait de vous rendre d'un point à un autre assez rapidement. Alors évidemment, comme tous les atouts que vous avez, c'est un atout qui va durer un certain laps de temps, et après il va falloir qu'il se recharge. Donc il faudra attendre un petit moment avant de pouvoir le réutiliser, bien que vous ayez un autre atout par la suite qui vous permet aussi d'accélérer ce rechargement de pouvoir. Voilà, donc tout à l'heure que je vous parlais de la map, je trouve qu'elle est particulièrement bien conçue parce que les rues sont suffisamment larges en fait pour pouvoir faire des combats entre titans, à plusieurs titans, etc. dans les rues, sans se gêner. Et c'est pas toujours le cas, vous le verrez sur d'autres maps où en fait les rues sont tellement étroites, quand on met 2-3 titans dedans, c'est injouable. Là, celle-là est particulièrement bien faite, et pour les pilotes, et pour les titans. Donc là, côté score, je crois qu'il n'y a pas photo, pour l'instant on se débrouille mieux que les autres. Je crois que, à moins d'un renversement de situation, l'issue devrait être favorable pour nous, mais rien n'est joué, on verra. Alors là, le titan que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle un strider. C'est un titan qui a un blindage, c'est le titan qui a le blindage le plus léger en fait des trois titans qui sont disponibles. Puisqu'il y a trois châssis de titans en fait qui vous seront proposés. Mais par contre, c'est celui aussi qui est le plus. Alors lui, c'était pas forcément parlant de la façon dont il utilisait son titan. Mais c'est aussi celui qui est le plus agile et le plus rapide. Donc ça peut être intéressant sur un mode comme celui-ci, par exemple, comme l'attrition. S'il avait plutôt pensé à aller capturer des points. Ou à fuir celui qui était en train de démonter là pour aller capturer un autre point, ça aurait peut-être été un peu plus judicieux, mais voilà, il en a été autrement, et tant mieux pour nous. Ouais, toi t'es mort. Voilà, alors oui, petite chose intéressante, au début, votre titan, vous pouvez pas l'appeler tout de suite. Là, vous voyez, quand je sécurise un point, en fait, ça me. Alors, le temps d'attente, si j'ai pas de bêtises, c'est entre 2 et 3 minutes. Je sais pas exactement, je vais pas vous dire de bêtises. Honnêtement, j'ai pas prêté attention. C'est 2 minutes sûres, après peut-être 3. Quand vous capturez un point, vous avez 7 secondes et demie d'attente en moins. Et quand vous tuez aussi un bot, vous avez 2 secondes d'attente en moins. Et si vous tuez un pilote, vous avez 5 secondes d'attente en moins, si je me souviens bien. Donc vous avez tout intérêt, en fait, dès le départ, à soit vous axer sur les bots pour en tuer un maximum et essayer de réduire le temps d'accès à votre titan. Et ça, quelle que soit la partie dans laquelle vous jouez, hein, que ce soit en domination ou en team deathmatch, enfin en attrition. Même si en domination, le plus important c'est quand même la capture des points, hein, le titan à la limite on verra plus tard, ou à capturer des points donc pour réduire votre temps d'acquisition de titan. Alors là, l'arme que j'utilise, c'est une arme que vous débloquez au niveau 14 ou 18, je crois, si j'ai pas de bêtises. C'est une arme anti-titan, celle-ci, donc c'est un lance-grenade assez efficace. Enfin, moi en tout cas, je l'ai adopté. Je l'ai essayé quasiment dès que je l'ai eu et depuis j'utilise à peu près que ça. Il y a d'autres choses hein, très très efficaces, il y a un lance-roquette qui est pas mal, etc. Et puis tout à l'heure on parlait des cartes et les cartes qu'on utilise permettent aussi d'améliorer considérablement certaines armes. Donc voilà, la partie est finie. Donc j'espère que vous avez apprécié ce gameplay, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et à bientôt. Un pouce vert si ça vous a plu et pas de pouce rouge parce que c'est pas bien. Allez, à plus, bye.